أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن الذكر الغافلون. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واجب الاكرام قلب الاكرام اي ميزان très respecté depuis le début du programme. Au final, quand je l'écoute, très joli clair du Coran, Nantes, Bord, Banatra. Il y a le cas, je l'écoute dans la causerie. Et très joli commentaire pour le frère Sabir Bouddha. Allah subhanahu wa ta'ala, le Qumul le Hazim. Au final, le cas, je l'écoute de l'Abi Fadja Karim Nawaz. Au final, le cas, je l'écoute qui grand travail Fadja Karim Nawaz qu'il fait. Pour ceux qui continuent cette topic-là d'une autre façon, que nous, comme musulmans, nous qui devons nos responsabilités envers Fadja Karim Nawaz. Souvent, vous écoutez grandir, stars, darja de Fadja Karim Nawaz, qui est là sur le lit, qui est en pleine toute la dent, et qui est encore devant son maman, de faire ses gros mains. Fini un titre, des côtés Allah et aussi des côtés Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, fil kodr Fadja Karim Nawaz, wa amlain. Fadja Karim Nawaz, 20 années, il reste ensemble avec son qui dispute, Fadja Usman Harouni, qui arrive dans l'Inde. Et au final, le cas, je vais écouter ces 9 millions plus qui savent. Une personne qui vient le cas de bénéficier au pied pour réconvoir de Fadja Karim Nawaz. Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous ordonne pour nous faire ibadat. Chacun de parmi nous, ibadat une phrase. Ça, c'est beaucoup pour moi. Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième chose, l'islam fait le coup pour l'enfance, c'est Hukukul Ibad. Hukukul Ibad, c'est un haq qui est là envers le serviteur d'Allah. Qui quand tu dis l'islam, tu mets en face de Hukukul Ibad, bien entendu, toute la loi, namaz, rosa, zakat, hajj, c'est un pilier de l'islam. L'islam, tu mets beaucoup en face. Mais en même temps, c'est l'islam pas seulement qui est englobé, qui est encerclé, seulement depuis l'islam, namaz, rosa, zakat, c'est ça même l'islam. Fadja Karim Nawaz, quand il arrive dans Ajmer, c'est pas sur rosa, sur namaz, sur nawafil, qui va une personne qui approche Fadja Karim Nawaz. C'est plus beaucoup d'une personne. Quand il regarde Fadja Karim Nawaz, soit khlaq, soit comportement, soit bonne manière, soit façon de vivre, qui sont une distinction, n'importe qui s'en a vu que Fadja Karim Nawaz, même les musulmans ou les pas musulmans. Fadja Karim Nawaz, rahmatullahi ta'ala alayhi, personne ne retourne la même vie que Fadja Karim Nawaz. Et jusqu'à aujourd'hui, il est très clair, n'importe qui parle là. Aujourd'hui, on a la facilité, on rentre dans YouTube, on va dans Internet, ou à l'Ajmer, on vous trouve dans Darga Fadja Karim Nawaz, sans qu'une distinction des religions, tout communauté présent que Fadja Karim Nawaz, rahmatullahi ta'ala alayhi. Qui même, Fadja Karim Nawaz, rahmatullahi ta'ala alayhi, pour une personne qui est dans la nécessité, qui voyageait depuis Ajmer, qui s'en moment-là, plusieurs jours sur voyage, qui fait prendre Wabi Béli. Fadja Karim Nawaz, pas une idée qui s'appuie sur là, il y a une musulmane, il n'y a pas une musulmane, les familles, les proches, c'est une personne en nécessité qui tient à besoin de les rois de Béli.
کی سامانه رشوهای نیم خواجه غری نواز فی الخوالی فی ناری فی الفیل جوین ایدن نسته دینا بیدن رسی که خواجه غری نواز ریدونه سا پیسون نالی الله سلان و ایسو رفانی بیجیه کی زامن و چیاتن کی دقامی بن مسلمان کی حضوری بن مسلمان کی تسویب سی خواجه غری نواز کی اکوز ما qui ne vont pas accepter ce dîme, ne vont pas dans son religion, mais ici, à cause moi, les gens qui ont dans ce voyage, les finales, c'est pour nous nécessiter. Ça, action-là, qui a défini les faits, parce que dans sa personne-là, entier l'endroit dans sa bastille-là, tout le monde est seul, il n'y a qu'un matin, il y a l'air, 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 il y a aujourd'hui, moi qui y ai, c'est le pays dans la vie aujourd'hui, la vie conjugale, la vie familiale, la vie sociale, nous sommes entre nous-mêmes qui quantité nous les coopérer l'un à l'autre pour qu'ils nous gagnent succès dans la vie. Aujourd'hui, la vie devient d'une telle façon que chacun dépense pour lui, chacun pense sur l'avantage personnel. Et quand arrive dans la vie quelqu'un qui lui pense la vie sur la vie profit, l'avantage personnel, là, on a commencé. Là, le problème a commencé. Pas de valeur d'avance, pas de n'a aucun intérêt envers sa personne-là. Pas de n'a aucun avantage envers sa personne-là. Mais c'est à cause qu'il aime se vider d'Allah, un insan, de difficulté, de taclif, de problème. Pas de valeur d'avance, puis faire un bon voyage là aujourd'hui dans la case. Mon maman, mon papa, il n'a pas bien sommeil pendant la nuit, mon accoté lui dans le classement. Mon dos est sans tracas, mon père n'a aucune pensée envers lui. Je pense et je paye tous ces points d'un mec qui m'a eu le capable de faire oublier le mat dans le lit. Nous sommes aussi pas de la balance, nous montrer le mari d'être envers l'Aulia Allah. Très bon, paye aucun doute là-dedans, quand au présent et au, dans, au présence d'un host, ben, ma fille religieuse. الله سبحانه الله سبحانه تسأل الله سبحانه وتعالى جير القرآن سعيد كنو في النية كي سابسر ما كي نسيبه وش الله سوالي كي لستفي او دفاع او responsabilité envers sa wali là الله لبي دزا في سعيلوش بان فرشتا دزا في محبتا بكي بان كرياتيا في محبتا بكي او بان سيبه دالله c'est important qu'il nous tienne les sons dans la vie, ça va nous personnaliser pour faire Mohabbat avec lui, pour faire Mohabbat avec lui, pour qu'il nous fasse Mohabbat avec vous. Si vous voulez, Allah compte vous. Si vous voulez qu'Allah descende sur la main de vous. Si vous voulez qu'il vous approche avec Allah. Si vous voulez que les problèmes, les difficultés, les éloignés. L'important, c'est Allah fait Mohabbat avec vous. Et qui m'a dit Allah fait Mohabbat avec vous? Allah dit vous faites Mohabbat avec Ban Auliya Allah. Quand vous faites Mohabbat avec Ban Auliya Allah, quand vous amène nous êtes la vie en pratique ou en amal, Ban conseil de Ban Auliya. L'année passée, moi je fais ressortir que Khadir Ali Nawaz, Rahmatullah Ta'ala Ali, vient dire en regardant cinq petites choses, Allah Ta'ala donne une ibad sous sa va. Dans sa cinq, la haine motivée de l'enfance, aujourd'hui, je vais prendre le deuxième. Khadija Ghalib Nawaz me dit, au regard de Kaaba Sharif, il va être ça. Pourquoi faire d'abord, on est seulement assisté pour dire Kaaba Sharif, il va être ça. Au regard de maman, papa, il va être ça. Le sacrifice de la haine, l'année passée, motivée de l'enfance. Troisième petite chose que Khadija Ghalib Nawaz me dit, qui quand on regarde le Coran, seulement en regardant le Coran, Allah Ta'ala donne une ibadah sur sa part. Allah Subhanahu wa Ta'ala donne une ibadah sur sa part, seulement en regardant le Coran. Nous savons, dans la vie aujourd'hui, qui paye aucun musulman qui dans son lacance, paye le Coran, mais qui le Coran. Mais combien d'entre nous qui nous laissent le Coran là ouvert dans nos lacances, combien d'entre nous nous regardons le Coran qui va dire à l'Ignorance, c'est dire que seulement on regarde le Coran, Allah Ta'ala donne une ibad sur sa va. Khadija Ghalib Nawaz raconte qu'il y a une personne qui me fait l'intégral après son amour, mais trop lui, il est promené dans Jannat. Finalement, mais qui est arrivé, qui a action, qui a mal comme ça, on fait, qu'Allah fait la peau de Jannat. J'appelle la beaucoup ibadat. Moi, j'ai tout le temps, j'ai un regret, j'ai un chagrin qui ne m'a pas dit qu'on lit le Coran. Je ne m'a pas dressé avant le Coran.
Tout le monde est chacun, moi je peux pleurer, moi je peux répéter comme au coup, ben, pour te dire pour un, hélas, moi, nous pas ton lit, pour un. Mais, quelque chose qu'Allah fait compte dans moi, qui n'importe quand on traverse ou on trouve quelqu'un, même les enfants, même les âgés, même les jeunes, quand il attrape pour un, dans son âme, il périt pour un, quelques moments, mon djibouté là-bas, mon croise des bras, mon respect, mon regard pour un. Allah fait compte dans sa respect qui nous fait éna envers le Coran. Allah Ta'ala fait pardon tout le monde pour l'heure et Allah Ta'ala fait la cause de la Jannah. Nous comptons Khadja Gharim Nawaz, nous célébrons tous Khadja Gharim Nawaz, mais un important message et la victime à mes amis amenés, le message qu'ils ont fait donner, ça, c'est nous devoir nous responsables de envers l'Aulia Allah qui nous amène dans la vie en pratique. Le Coran est dans la case, mais majorité d'accord avec nous, qui nous pense que le Coran, seulement dans le Ramadan, qui nous vit le Coran pour nous lire le Coran. Le Coran, c'est Allah sur un tel cas de vivre, qui vous aide à faire l'expérience, par le Coran, qui en regardant le Coran, Allah a fait pas de l'oula. Voilà, Allah a raconté qu'une personne, le Vatican lit le Coran, arrive dans ce dernier jour, le fait perdre l'éclairage du ciel. Les pleurer. Qu'avant, les gens capables de regarder le Coran, mais le Coran aussi n'est pas capable de regarder. Mais, Fadi Abarim Abbas racontait que sa personne-là, tous les jours, les matins, quand il vivait, il est vrai, il n'est pas capable de regarder le Coran, mais il ouvre le Coran, il pose sur les doigts, l'ouvre un ayat Coran. Ya Allah, ton banda n'est pas un pouvoir, pas une capacité de dans ce lycée qu'il est capable de regarder ton Coran. Même là, dans mon ami, il a tout dit, ça fait le Coran, le Jil, le Foukhari, ami. Oh, par que ça dit là, oh Allah, donne sa bande là, sa qualité de vie, qu'il est capable de regarder ton livre. Bada Gharim Nawaz raconte l'homme qui fait une sortie, toi qui fait une sortie depuis le profond du Caire, ça vient rire que Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, tout de suite pour pouvoir Allah, sa personne qui t'y fait dire l'éclairage, les yeux, les fins tours et les fins gars, l'éclairage. Sa qualité de vie, Allah fait de nous. Chacun de lui, chacun de nous dans la case est là. Mais combien de nous qui nous fait des voix, qui nous ouvrent ce livre-là dans la case, pour qu'Allah subhanahu descende le Coran, fermé, nous le battons et commencer avec radio, et chanter, et information, et bien tout une qualité nouvelle. Pourtant, un musulman, sur le matin, les bisous commencer avec Ibadat Allah. Et quand on commence pour le matin avec Allah sur Kalam, en même temps, venir qui est Allah, on commence pour le matin avec tout. L'Isabé, le Coran, le Bajir, le Furqan, le Hamid, oh Allah, tout le monde s'est fait ça, la douleur, la passe bien. Coran de nous garantir que quand on vient avec sa ligne là, avec sa rétention là, quand on attrape Coran dans sa façon là, le matin, quand on vient commencer avec le petit Coran, on regarde le Coran, on vient attraper Coran, Allah. Ce livre jusqu'à tantôt qu'il retourne la case au bout de la protection de la soukane. C'est important qu'il m'aille à vous dire comme un frère et soeur d'Islam, nous mettons beaucoup l'enfance, nous donnons nos enfants l'éducation académique, l'Islam nous a encouragé, offert aux enfants venir graduer, offert aux enfants venir degré, n'importe qui quantité d'éducation vous voulez vous donner. Mais nos responsabilités qui nous envers nos aulades, qui nous aident à vous donner compte devant Allah, nous aident à vous donner l'Islam au Kitab devant Allah, nous aident à vous. Dans l'Isab Kitab, qu'est-ce qu'il nous fait montrer nous enfants pour Anne? Nous devons responsables devant Allah. Alors nous devons nos responsabilités devant l'Aulia Allah, qui la vie qui m'a mis en amené, nous tient une raison et nous amène en pratique pour gagner, pour vivre là, pour voir quelque chose où aller, ou à la case. C'est très facile pour saisir après un examen pour regarder qui m'a mis en changement. Nek seulement au liéli, mais quand au liéli avec classe, au liéli avec sincérité. Dès qu'il change le monde aujourd'hui, elle, c'est si on a aula, ou on a enfant. Et même, ou même personnellement, si on a problème de mémoire, quelque chose qui va faire, oubliez vite. Quelque chose qui oublie, ou pas que c'est raté, oubliez. C'est un enfant comme ça, ou même personnellement comme ça. Pendant 7 jours, pendant 7 jours, on prend un verre de l'eau. Tous les jours, on prend un verre de l'eau et on lit 70 fois Sourate al-Fatiha qui tout le monde connaît. Il y a Sourate al-Fatiha avec Auzbillah, Bismillah. Et à chaque fois qu'on lit Sourate al-Fatiha, on lit avec Bismillah.
Première fois, on lit à Ousbillah, Bismillah, tous les deux. Mais deuxième et troisième, jusqu'à qu'ils se sont 10e fois, à chaque fois qu'on commence sur la Fatiha, on commence à dire Bismillah, on lit à 70 fois sur la Fatiha. Soufflez dans sa délo. Délo du quotidien. Ça, délo. Vous savez, il y a une expérience. Et si vous voulez lire avec Ikhlas, avec bonheur, avec sincérité, qui obéit, ce n'est pas n'importe qui livre, obéit à Allah, ce livre, le Coran, qui est dans ses premiers surahs, qu'il y a un d'abord, il y a une surah qui défend une descente. Il y a un d'abord, il y a une surah qui les autres surahs, au capable, il y a la moitié de la masse, au capable, il y a une partie de la masse, mais surah par terre, tout le temps, pour lire, vous allez lire complète. Un tel cas de surah. Khadija Ghali Nawaz, pour lire, c'est un oisif avec Khadija Ghali Nawaz. On y a 70 fois, soufflé dans des lots, périt pendant 7 jours. Après 8e jour, on regardait qu'une mémoire, capacité, qui quantité, pas bizarre, fortifiant. Pas bizarre, ben les autres, non, boule. Islam, il donne nous un tel cas de vie, qu'Allah, il remplit tout, ben le problème, ce solution, il est dans le Coran, mais faut nous lire. Faut nous lire, sans qu'il dépense un sou. Sans qu'il dépense un sou. Allah, il donne nous cadeau. On va vendre la vie à sa livre qui va finir dans une zone. Et on lit à lui, 8e jour, on vous trouve qu'il prend la chance, ma Inch'Allah, dans le mort. Deuxième chose qui va terminer, qui nous tourne le travail. Même Moussali, même Serre dans la case, chacun a une occupation, une douance, un bureau de travail, il a beaucoup de stress. Le matin, quand nous commençons, arrive tantôt, le travail n'est pas terminé, mais la journée est terminée. Quand nous retournons tantôt, vers Maghrib, nous sentons fatigués. Il arrive à cause fatigue, ne pas qu'un sommeil. Très facile. C'est un wazifa qui m'a de nous, c'est un tonique, un remontant spirituel, qui tous les enfants musulmans, même qu'ils n'ont pas connu le Coran, tout musulman, même qui n'est pas apprendre le Coran, il n'est pas capable de lire. Ça, beauté islam. Et ça, véridique de la religion islam, qui montrait qu'Allah, sa calame qui vient donner, regardez jusqu'à Qayamah, qu'il y a un miracle, un mojiza vivant de Allah, son Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam. Qui même qui quantité, ou vient boire un médicament, pas une veille levée, ou mémoire vient restaurer, sans qu'il dépense un sou, Khadija Ghali Nawaz, c'est bien sûr le Fatiha. Deuxième, on est fatigué. Quand on le dit, c'est peine à personne de parmi nous, Alhamdulillah, c'est d'un mot ce qui m'a manqué, qui tout, nous deux autres, c'est l'habitude de nos enfants, tout, avant de dormir, nous lavons la main, nous lavons la bouche, nous lavons nos figures, nous brossons les dents. Qui ne restait pour terminer vos jours? Réfléchis, mon frère. On lave la main, on lave la bouche, on lave les figures. Dès qu'une chose vient rester pour accomplir comme oiseau, c'est simplement vous faire un massage et vous laver les pieds. Shaitan ou pas l'esprit. Il connaît qu'il s'en sort là, c'est arrivé de vous faire un oiseau, même qu'il peut remplir le sol de l'île, Allah vous donne l'ibad sur sa barre. Il n'est pas capable de gagner sa barre. Il n'est pas l'esprit de sa barre. Même qu'il quantité de médicaments pour boire, pour ne pas gagner sommeil, vous savez, il y a une expérience avant de dormir. Ou après la blabou, soit bien la figure. Mais ça doit rajouter quelque chose, c'est opérer en l'eau, opérer au oiseau, ou la blamer, la bouche, la blamer, la figure, la blamer, je peux tout faire massage à la vie. Quand on dormit, ce moment-là, on lit à trois tasbis. Très facile. Trois tasbis, c'est, on appelle ça tasbis et Fatima. On nous garde dans le hadith, car Fatima, quand tu viens contre Rasulullah, il y a Rasulullah, il m'a fatigué beaucoup. Tu vois un esclave, comme un travailleur, pour pouvoir donner des coups de main. Rasulullah dit, oh, mon petit fils, me donne ta meilleure qui ça. Et à travers notre Fatima, on m'a complètement général, je te finis ça. Lire, après chaque namaz, tu as lire. Mais avant de dormir, vous finissez faire oiseau, vous lire ça. 33 fois, subhanallah. 33 fois, alhamdulillah. 33 fois, Allahu Akbar. Avec 99. Et pour terminer, pour faire une sorte, il y a quatrième kalma une fois. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu, yuhyi wa yumitu bi amri khayr, wa huwa ala kulli shay'in qadir. 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdulillah, 33 fois Allahu Akbar, et une fois il y a quatrième kalma, si vous ne pouvez pas le dire, il y a n'importe qui est un musulman, sa kalma là est un ami. Tout dormi.
le matin quand vous levez, sans qu'il vous serve un médicament, sans qu'il vous serve un fortifiant, le matin quand vous levez, Inch'Allah, vous vous sentez vite, et bien, problème qui tient là, fatigue qui tient là, pour voir que ça tasbih, parce que ça tasbih là, vous donnez, pour Allah, son Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, et spécialement, ce qui vient à la Fatima, et à la Fatima, à travers sa généralement, une messe, ou maintenant, vous savez faire un mal, le sabbé, tout chaud là. Surat al-Fatiha, et ça tasbih là, et sa façon qu'on dormit, tout le monde qui a dormi, roula les sorties. Mais ça nous sera l'âme qui dormit avec l'oiseau, quand il y avait une avancée, qu'Allah Ta'ala donne sa privilège, qui donne le cachot, sa qualité, mon illa, son roue, jusqu'à ce qu'Allah se fonde dans la fâche. Que ça n'a pas parmi nous, pas oublié, qu'une roue, elle jeune, qu'Allah se cherche, quand il y avait une avancée, c'est lui qui voulait. 10 minutes de faire la peine avant de dormir avec l'oiseau, de dormir avec l'oiseau, pour voir que ça, son roux paris jusqu'à Arche-Ilahi, Allah fa'koumoul, Jazakumullah, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.